pour sortir son enfant. J'espère que DFAO, là où tu es là, vous appelez les gens, les affamés. Vous partez prêter l'argent de gauche à droite. Ta femme a fui la Suisse, pourquoi? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi est-ce qu'elle a fui la Suisse? Elle a fui la Suisse parce qu'on a dépisté qu'elle était malade. Elle est venue faire le sasayé. Le sasayé à Paris. Et son gars l'a connu comment? DFAO t'a connu comment, maman? DFAO t'a connu comment? DFAO t'a connu dans les clubs échangistes en Suisse. Comme on appelle ça précisément souvent, les chambres de les maisons de passe. Parce qu'il gérait une chambre de passe, une maison close. Voilà, en bon français, une maison close. Parce que apparemment, c'est sur le journal qu'on fait les annonces là-bas. Au journal. Ils ont un journal qu'on fait les annonces. Donc, même les maisons, on fait les annonces au journal. C'est comme ça qu'elle tombe sur lui. Ça tombe que c'est un gars bah, ça, comme elle. Elle commence à work pour lui. Commence à sortir ensemble. Entre-temps, il est avec la star. Notre star. Quand il commence à sortir ensemble, il me dit, à moi, il me dit que hey, quand les problèmes commencent ici, avec l'ex qui est au pays, où il est parti prêter l'argent sans personnalité, un homme ridicule, il passe à s'asseoir chez l'ex de son ex, il s'assoit, il mange jusqu'à il boit, il dort même là-bas. L'ex là, quand il y avait les problèmes, jusqu'à ce que on a mis DFAO de côté, il est parti, il m'a dit, je lui ai dit, c'est là qu'il m'avait fait, il m'a induit en erreur, c'est lui qui m'avait demandé de clasher la star, c'est lui qui m'a dit qu'elle ne peut rien te faire. Il m'a d'abord dit que la star l'avait appelé pour dire que voilà ta soeur qui m'insulte. Il m'a dit que non, manier, insulte-la bien. C'est lui qui m'avait induit en erreur avant que Marie-Thérèse Babon, quand j'ai su que c'était sa personne, j'ai vite avalé ma langue. Il m'a demandé d'insulter la star, qu'elle ne peut rien faire. Que si elle tente, il a ses nudes, c'est dans un CD. Je lui ai dit que papa, il faut jeter ça. Faut détruire ça, tu es déjà marié. On ne sait jamais. Ta femme peut prendre ça un jour, elle s'énerve, elle prend ça. Il m'a dit que là où c'est gardé, là non. Personne ne peut trouver où c'est. Je lui dis qu'on ne sait jamais. Tu as vu comment la toile là est. Moi-même, on me tient au chantage, toujours avec les trucs comme ça. On a causé, on a parlé. Il m'a avoué, il m'a dit que moi-même, j'ai ça ici. Il m'a dit que Yenoué, Toyomi Tabi. On ne peut rien faire, laisse. Il m'a dit que il a les photos. Donc là où la star est là, il a les nudes de la star. Il a les nudes de la star. Pas la star. La star, la musicienne. Hein? La musicienne avec qui il était avant. Hein? Il a ses nudes. Hein? Là où il est là, hein? C'est aussi un papa. Il m'a envoyé la vidéo. Il m'a envoyé la vidéo de Zoa. J'ai ça ici. Il m'a envoyé la vidéo de Zoa. J'ai ça ici. Où elle est en train de. Elle écarte le toton. J'ai tout ça ici. Qu'il m'a envoyé. J'ai ça ici dedans. Si j'entre dans son truc, je trouve ça là. Qu'il m'a envoyé. Regardez alors un homme comme ça là. Dès qu'il a commencé les problèmes avec Patricia, dès qu'il a vu que j'ai lavé Patricia, bam, il a commencé à m'envoyer les balles sur Patricia. Que calé. Quand j'avais dit là que Patricia, son caleçon, elle est partie, c'est lui qui m'avait dit de venir dire ça. C'est lui, des FAO, qui m'avait dit
que Kahala, parce qu'il se chamaille même plus qu'une femme. Nous, là, on ne connaît pas se chamailler. Lui, il se chamaille plus qu'une femme. Il t'appelle, il te dit que va dire comme ça, va dire comme ça. Comme il est en train de faire avec Ngombongo Indi, ma marabou. Tous les soirs, il va l'appeler. Il va lui dire que tu as oublié quelque chose. Demain, là, quand tu vas faire le direct, dis que c'est comme ça qu'il est. C'est pour ça que j'ai dit la dernière fois que méfiez-vous. Ce monsieur-là, c'est un monsieur qui est prêt à tout. Il est prêt à tout pour nuire son prochain. Si tu veux lui mettre les bâtons dans les roues, il est prêt à te détruire. Il est prêt à t'assassiner. Sa femme, c'est la plus grande vendeuse de piments au monde. Il n'y a pas son deux. Il n'y a pas son deux. Si je mens, qui vient de faire un direct pour démentir? Voilà ma fille, Michel Essoba. Demandez si je mens. Si je mens. C'est un monsieur qui a voulu me... T'as dit, quand on dit alors que les pervers narcissiques, c'est lui-là. Venez faire le Congo, ça, de Michel. Que fais attention à cette fille. Ne parle plus avec cette fille-là. Cette fille-là est très dangereuse. Alors que Michel lui avait donné les honneurs. Ce monsieur-là, qu'on appelle Panjansan, méfiez-vous de lui. C'est un gars qui est capable de niaise avec tout l'entourage de Sanga. Le restaurant, il partait là-bas. Là. N'est-ce pas? Sa femme sortait avec un gars là à Paris. Elle a fait la passe à celle qui a le restaurant. Le restaurant que vous connaissez, il part souvent là. Elle a pris, elle a fait la passe. C'est comme ça que ça tourne entre eux. Elle n'est pas propre. Qu'on ne vienne pas vous tromper avec les histoires de prière. On prend, on vient faire les directs. Tous ces gens-là, c'est leur club. C'est leur club vicieux. Ce monsieur, c'est le démon. Il a décidé que lui, il va nuire seulement cette femme-là parce qu'elle a mis ses fesses dehors. Comme elle a versé. C'est lui qui a commencé à la provoquer. C'est lui qui a commencé. Et elle s'est défendue. Il a pris les mercenaires. Ngombongo Indi peut dire quoi d'autre? Tout ce que Ngombongo Indi peut dire. Nous tous, on a des personnes qui nous contactent ici, non? Nous tous, on a des gens qui nous contactent. Comment moi, je suis qu'elle a les quatre lettres? Que la femme de Defawa a les quatre lettres? C'est quelqu'un qui m'a appelé aussi, non? La personne a dit qu'elle est même prêt à venir témoigner. On la bastonnait tout le temps là-bas en Suisse. Elle travaillait dans une maison close en Suisse. Les filles bagarraient avec elle tout le temps. On la tapait tout le temps. On dit comme tu la vois sournoise là, comme ça là. Elle a toujours été comme ça, très dangereuse, très manipulatrice. On dit que dans le couple, c'est même elle la plus dangereuse. Ok. C'est comme ça que ça se passe quand on vient se mélanger avec des personnes qui sont sans personnalité. Parce que ce monsieur-là, en temps normal, de vous à moi, un monsieur qui a fait une citation directe à une femme, soi-disant, demain il s'allie à cette personne pour vouloir détruire d'autres personnes, ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Ce monsieur a toujours opéré comme ça dans le noir. Moi, j'ai opéré avec lui. Je n'en dis combien pas, je dis oui. J'ai opéré avec lui parce qu'il m'appelait. Je ne peux pas compter combien de personnes il m'a envoyé que va laver. Si je vous fais écouter nos conversations, 7 heures du matin, je ne suis même pas encore debout, qui m'a laissé les messages. Va laver tel, lave tel, en lavant, comme tu ne sais même pas bien laver là, il faut préciser que c'est comme ça qu'il fonctionne. Ce monsieur-là, c'est comme ça qu'il a toujours fonctionné. Voilà sa vie comme ça. À fuir dans la vie des gens.
Voilà votre justicier bête et con là, qui va dire que lui n'est pas un voleur. Le plus gros gigolo de la terre, c'est lui. Même sa femme ne gère rien. Elle achète l'audio là. C'est-à-dire que quand tu as un problème, même, elle te dit qu'elle veut toujours donner les éloges à son gars. Le plus gros gigolo. Il va te dire qu'il a tous les mois, il a les impôts qu'il paye de plus de toujours. Il a toujours les gros impôts. Le seul homme sur la terre que je connaisse qui a les plus gros impôts. C'est pas Njansan. Mais j'ai envie de dire à Ngombongo Indi, le moment venu, il faudra qu'il soit avec toi. Parce que quand tu vas tomber, il ne sera pas avec toi. Quand tu vas tomber, il ne sera pas avec toi. Moi, je peux miser sur ma bosse. Je peux mettre ma main au feu sur ma bosse. Que si on va où, elle est prête pour moi. Est-ce que lui, il est prêt pour toi? Est-ce qu'il est prêt pour toi? Parce que tu ne fais pas ça par rapport à soit ma bosse, soit ce monsieur. Tu le fais parce que j'ai mis tes fesses dehors. Et je ne mens pas quand je parle de vous. Eux, je ne peux pas parler d'eux pendant 100 ans. Mais toi, Ngombongo, je peux parler de toi pendant toute la vie. J'ai habité avec toi, j'ai vécu avec toi. Tu es arrivé en France, tu m'as trouvé ici. J'ai vécu avec toi. Tu as couché ton enfant là entre mes mains. Donc toi, je peux parler de toi toute la vie. Eux là, je peux parler le peu que je connais, que j'ai parlé avec eux. Mais toi, je peux parler de toi. C'est-à-dire, on me réveille à n'importe quelle heure qu'on me dit de parler de toi. Ngombongo Indi veut parler de toi. Sans bégayer. Sans faire un jeu. Non. Mais j'espère que le moment venu, Pan Jansan, quand ça va tomber, il faudrait que Pan Jansan soit là. Il ne faudrait pas que Pan Jansan te tourne le dos parce que quand j'ai entendu Pan Jansan parler, c'est que Amer Kamara a eu le premier au Cameroun, que c'était lui. Jamais. C'est faux. C'est faux. Il n'a aucune relation. La seule relation qu'il a, c'est son grand frère qui est commandant à la retraite. C'est les relations d'Amélie, de ma bosse, qui voulait se servir même pour mettre cette fille-là qui ne lave pas son bouc. Pour l'inquiéter au pays. Il a quelle relation? À peine il est arrivé au Cameroun, il est parti d'y avoir ma relation. Jusqu'à il est parti dire là-bas que il n'a aucun problème avec ma bosse, que c'est avec moi que je suis une ingrate. Que le jour que il m'a présenté ma bosse, je suis parti signer le contrat à son insu. J'ai dit pardon. J'ai montré la photo, j'ai montré les vidéos. Qu'est-ce qu'il vient d'à côté? Vous n'avez pas remarqué que quand il est parti au pays là, est-ce qu'il a fait comme d'habitude que dès qu'il arrive, il fait le tapage, il montre comment il arrive? C'est peut-être 3 jours après qu'il a montré qu'il était allé au pays, non? Ou pas? Parce qu'il était en train de préparer le terrain, il partait voir les relations, nos relations, pour qu'on le couvre. Il partait voir nos relations, pour qu'on le couvre. Depuis quand ce monsieur part au Cameroun, il ne montre pas comment est-ce qu'il est arrivé. Hein? Il ne vous montre pas souvent le départ même de la France ici là. Quand il fait sa correspondance là, il ne vous montre pas souvent comment est-ce qu'ils sont ici là, comment est-ce qu'ils sont en train d'embarquer. Pourquoi là? Le tout-ci, c'était chaud sur lui au pays. Il voulait savoir ce qui allait se passer parce que il a des plaintes là-bas, il a les retours là-bas au pays. Il a les retours. C'est pour ça que vous voyez, il montait, il descendait avec son grand frère, le commandant en retraite. Tu as quelle relation là-bas au pays? Tu passes ton temps, même le CERD que tu dis que CERD, ce n'est pas tes relations. Ce ne sont pas tes relations. Crée tes relations, mon frère. Qui peut être ami, qui peut accepter d'être ami avec un monsieur qui va bientôt porter le string de l'Okaba? Tu prends une fille avec qui, hier,
Tu étais en train de faire les citations directes. Aujourd'hui, c'est ta meilleure alliée. Mais montre-nous que si elle a une situation, tu pourras intervenir. Lancez-moi le défi. Faites les directs, n'effacez pas. Comme moi, je fais là. Faites les directs, n'effacez pas. Parce que tous nos directs maintenant, hein, on a nos personnes qui enregistrent de gauche à droite. Hein. Et tous les directs que vous avez fait là, ça a été enregistré. Soyez seulement prêts. Parce que ma boss n'est pas une femme du quartier. Ma boss est venue se mélanger. C'est un crime de se mélanger avec nos frères africains. Est-ce un crime? Est-ce un crime de vouloir aider notre communauté? Est-ce un crime de vouloir aider les amis? Il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'un Gombongo Indi me déteste, Mahamarabou me déteste. J'ai fait savoir au monde que Mahamarabou partait chez les marabouts. J'ai fait savoir au monde que Mahamarabou était une femme crade. J'ai fait savoir au monde. J'ai dit, même sa copine a dit, a confirmé. Son mari a confirmé que oui, effectivement. Elle a mis les doigts là-bas, c'était pâteux. Son mari a confirmé, vrai ou faux? Est-ce qu'on s'était entendu? Non. Elle est allée constater aussi les dégâts là-bas. Mahamarabou est arrivée ici en France devant moi. Elle est arrivée devant moi. On a amené trois photos. C'est l'Indéma Cécile. Excuse-moi, grande sœur, que je cite ton nom dans les choses-là. Ce sont elles qui ont choisi. Quand le père l'a amené, papa Ali a amené les photos. Que voilà. C'est elle qu'on avait choisi, que c'est elle qu'il faut qu'elle vienne. À peine elle est arrivée, tout le 17e, donc Poumaï. Elle croyait qu'elle était trop belle. J'ai tenu sa main. Elle étant même ma grande sœur, j'ai tenu sa main. Elle dit qu'elle m'a fait quoi? Elle dit qu'elle m'a fait quoi? Tu pouvais me berger. Si tu me bergeais, tu n'as pas perdu la maison. Tu n'as pas dormi sous les restaurants, dans les restaurants à Paris. Tu as entendu comment elle dormi sous les restaurants à Paris? Tu as couché l'enfant. Dieu merci, cet enfant est né. C'est pour ça que cet enfant a tous ses problèmes, parce que tu avais une infection. Le jour que tu as couché, tout l'hôpital est sorti. Tout l'hôpital est sorti. Le deuil qui sortait du bas là. Je jure sur tout ce que j'ai. Je ne mens pas. Le cœur qui sortait en bas, c'était maniaque. Tout l'hôpital est parti, a fui. Elle avait une grosse infection qu'elle est venue avec du Cameroun, qui n'avait pas été traitée. Et comme elle a accouché par césarienne, elle est venue directement, elle est partie, elle a abandonné le bébé nouveau-né. Elle est partie commencer à boire le whisky. Disant que c'est le médecin, regardez-moi une tebenga, que c'est le médecin qui lui a demandé de boire le whisky pour faire sortir le sang. Voilà, les anciennes Waka du Cameroun. Ta grande soeur qui est autour là-bas, là, qui travaille au Cameroun, là-bas, au truc, c'est au port, quoi, là. Elle n'est pas dans les loges. Qu'est-ce que toi, c'est pas toi qui est parti dire que ton beau-frère là a amené ta grande soeur dans les loges. Gombongo, il dit, ce n'est pas toi qui est venu nous dire. Hein? Ce n'est pas toi qui es venu nous dire que ta grande sœur et son mari sont dans les loges. Pourquoi quand tu peux au Cameroun, tu ne dors pas dans leur maison? Même ta grande sœur a peur de toi parce que tu as parti tout mal avec son mari. Ta grande sœur a peur de toi parce que tu vas aller tout mal avec son mari. Quel est l'homme qui peut te garder? Quel est l'homme qui va t'assumer même d'abord de ta génération? Jeune fille de ton état, à l'époque, le père de ton enfant perd à son âme. Junior, qui est décédé aujourd'hui, le gang, le faune. C'est le seul jeune qui a accepté Totouma. Et en cachette, il ne t'avait jamais assumé. Gombongo Indi, ta vie est propre, maman.
Ta vie est propre. On va parler sur toi aussi, tu vas te mettre aussi. Franchement, les femmes là, les nobles femmes vont parler. Ngombongo, il dit, tu vas t'asseoir, tu parles. Tu as la parole, maman. Une fille qui pue la cigarette de l'oignon, ajoutez l'alcool sur ça. Une femme qui ne sent pas l'odeur du parfum, t'as dit quand tu passes, on sent une odeur de parfum pour dire que, oh madame, vous sentez bon. Toi, tu sens la cigarette, l'oignon et l'alcool. Vous pouvez imaginer ces trois odeurs-là, comment ça peut sentir. C'est ça là qui vient s'asseoir, qui parle à une noble femme. Une chef d'entreprise qui donne le boulot aux Africains, qui donne le boulot aux Européens. Parce que toi et pas des FAO. En parlant de lui comme ça, la maman, il faut prendre aussi maintenant les crèmes et partager. Fais aussi sa pub en même temps. Ne fais pas seulement que tu viens parler. Tu viens parler pour parler. Encourage-le aussi que l'argent entre et qu'on te donne aussi un peu. Si ça peut t'empêcher. Et il faut mettre une fois ingérie aussi. C'est malheureux, hein. Moi, j'ai une dame qui a dit qu'elle va appeler pour témoigner sur ma marabout. Pour témoigner plus sur Marie la régie. Elle m'a dit qu'elle la connaît très bien. Elle m'a dit qu'elle la connaît très bien. Elle la connaît même depuis Edea. Elle va appeler. Elle m'a dit que aujourd'hui elle est de garde. Elle ne peut pas. Mais que il faudrait qu'on programme un direct. Elle viendra parler. Vous voulez jouer à ça, on va jouer à ça. Nous tous, les gens qui vous connaissent sont venus appeler pour verser vos vies. Oui! On va venir appeler pour verser vos vies. C'est de ça qu'il s'agit. Je voulais bloquer quelqu'un là-haut. Ça. C'est vrai que moi, je connais bloquer, mais je ne connais pas débloquer, non. Voilà. C'est ça qu'il s'agit. Moi, je connais bloquer, je ne connais pas débloquer. Je connais seulement, on m'a seulement montré là où on bloque. Je ne connais pas débloquer. Donc, vous venez faire vos pet-pet là, mais on a fait des mots. Voilà. Donc, Ngombongo Indi ne pourra jamais, je dis bien au grand jamais, m'aimer. Vous voyez une femme qui accouche son enfant. Elle suce le micro d'un bébé, d'un nouveau-né. Comment tu peux sucer le micro d'un nouveau-né en disant que il faudrait que ce nouveau-né-là te remplace, te venge demain? Vous croyez qu'elle peut m'aimer? Voilà, elle a détruit plutôt l'enfant, elle a rendu la bête, elle a maudit l'enfant. Quand je dis souvent ici, là, je dis souvent mes jeunes soeurs, là, mes enfants, là, qu'il n'y a que ta mère qui puisse te maudire. Personne d'autre ne peut te maudire. Ta mère est ton bon Dieu. Elle a maudit son propre enfant. Elle a maudit son propre enfant. Marie la régie, ton enfant est dehors. Vous dites que les gens ont abandonné leurs enfants. Marie la régie, ton enfant est... Tu as abandonné ton fils. On l'a mis dehors. Va récupérer ton fils. Montre-nous que tu es une femme. Que tu crois en Dieu et que tu pries. C'est ton enfant. Avant le mariage que tu as fait au Cameroun. Va récupérer ton enfant. Tu as laissé un enfant au Cameroun. Tu as dit ça aux gens. Que tu as laissé un enfant au Cameroun. J'appelle ici toutes les personnes qui ont les informations sur Marie la régie. Toutes les personnes qui connaissent leur maison aidée, allez me filmer ça. Vous m'envoyez les photos. La personne n'aura qu'une récompense. La personne qui part me filmer la maison de Marie la régie à Edea. La personne qui a l'information sur elle m'appelle. Tu auras une récompense. Je te charge ton téléphone. Je n'ai pas beaucoup d'argent.
Tu as une récompense quand même consistante. Je dis, il y a deux personnes qui m'ont déjà appelé. Il y a une personne qui est prête à témoigner. La personne qui connaît la vie de Marie la régie depuis le Cameroun. Appelez-moi, je mets le numéro là. Appelez-moi, WhatsApp. Je mets le numéro, j'épingle. Oui. Vous voulez jouer à ça, on va jouer. Bonjour. Ou père là passe à lier à une soro. Il passe à lier à une gake. Donc l'angala avait raison de dire qu'il avait dragué au Fufu Club. Vous voyez? Vous avez vu comme il opère? Lui, on doit marcher comme il veut. Quand tu ne marches plus comme il veut là, il cherche seulement à te détruire. C'est comme ça qu'il est. Je vais épingler ça. Voilà le numéro. Vous m'envoyez tout là-bas sur WhatsApp. Voilà le numéro que j'ai mis. Toute personne. Je ne peux pas demander des informations sur Ngombongo. J'ai toutes les informations sur elle. Tout. Elle, je peux parler d'elle du 1er au 31. Je peux parler de Ngombongo Indi du 1er au 31. Ngombongo Indi, ce qui se passe là, ça l'arrange. Elle est contente. Puisqu'elle a ces personnes avec qui elle parle. Qu'elle sait que moi aussi je parle avec ces personnes-là. Elle a dit que non. Que c'est moi qui avais encouragé par des FAO de lui porter plainte. Alors, il faut qu'on s'entretue. Qu'elle ait fait son one-man show. Qu'elle ne pourra jamais aimer des FAO. Elle a dit qu'elle ne pourra jamais aimer des FAO. Elle est là dans le aide-moi détester. Et je vais vous aider à vous. Je vais vous servir. Je vais vous servir. Le fils de Marie, la régie, elle a abandonné. Le fils que vous vous rappelez qu'ils étaient venus, son mari même était venu verser ses fesses ici dehors. L'enfant là, on l'a mis dehors. Il fume dehors aussi comme le fils de Ngombongo Indi. Le fils de Ngombongo Indi qui est en prison là. Le fils de Marie, la régie aussi, il y a pareil. Pareil. Pas de FAO. Tu as amené une situation ici sur la toile. Tu es parti payer des gens. Tu as nié. On t'a dit de t'excuser. Tu as été incapable de t'excuser. Tu as plutôt continué à faire des réunions machiavéliques. Faire des associations, des groupes. Pour vouloir détruire une femme qui vous a tendu la main. Je vois que vous venez même parfois en guerre sur la toile. Vous ne connaissez même pas les rouages des réseaux sociaux. Vous êtes parti donner à Ngombongo Indi l'adresse de cette dame qui vous a tendu la main. Vous êtes parti lui donner certaines informations que vous avez parlé ensemble à cette fille. Marie la régie, soulève ton haut. Tu oublies, tu es parti te faire charcuter. En Italie, là-bas, tu as failli mourir. Je vais publier les photos là. Je vais partager les photos là. Comme je ne peux pas mettre sur ma page, je vais partager. Marie la régie, tu oublies que tu es parti en Italie il n'y a pas longtemps là. Te faire charcuter. Mais c'est toi qui te moques des gens qui font la chirurgie. Alors que toi-même, tu es là. Dès que tu entends qu'il y a tel, il y a un endroit là-bas, tu cours pour partir faire. Parce que tu veux recommencer ton ancien métier du piment. J'ai refusé de te suivre. Quand tu m'appelais trop, ma double BS, ma BS, tu voulais m'attirer pour vendre le piment. J'ai dit que non, j'ai le bébé, je ne veux pas. Je mens. Est-ce que je mens? Marie la régie, tu fais trop jard comme si tu es sounoise. La plus grosse tucune de la terre, c'est Marie la régie. Marie la régie, la plus grosse tucune. Une femme qui
Touma avec les gars. Tu crois que tu peux touma avec Ngombongo Indi? Tu vas supporter l'odeur là? Marie la régie qui passe son temps à faire des attouchements aux femmes. Tu es parti pour enlever le ventre. Même ça n'a même pas marché. Soulève ton haut. On t'a charcuté. Tu m'as appelé ici pour me dire que BS, tu allais entendre que je suis morte. J'ai dit que BS. Je t'ai dit que BS, dis-moi. Moi, j'ai trop pris du poids. Moi aussi, je veux. Tu m'as dit que tu voulais d'abord mettre l'anneau. Après, tu as dit que non. Tu pars qu'on enlève carrément le ventre. Tu as failli mourir. Tu ne viens pas dire ça aux gens. Que tu es parti te faire opérer en Italie, tu as failli mourir là-bas. Viens dire ça aussi aux gens. Viens leur dire que tu es parti en Italie, on t'a charcuté le corps. Il faut venir dire ça aux gens. Tu oublies de venir dire ça aux gens. Que tu es la plus grosse tue qu'une tue. C'est que moi, quand je suis affaissée dans ma bouche, je ne porte pas caleçon. Je connais deux personnes avec qui tu entends. Et tu sais que je ne mange jamais. Je connais deux personnes avec qui tu entends. Dans tes mamounes là. Dernière fois, il y a eu la cham là-bas là. Dans votre restaurant là-bas là. Où tu peux discuter les gars. C'est parce que parmi les deux gars là, il y a une que je respecte beaucoup. J'allais donner le nom tout de suite. Ça allait faire boum. Le jour que nous étions là-bas là. Tu n'étais pas discuté avec deux gars. Oh non, je n'aime pas ce que tu m'as fait. Oh non, j'aime pas ça. Le groupe des Tchikuntui. Il y a une là qui est là-bas qui dit qu'elle connaît. Ou c'est à Nantes. Tu ne tournes pas avec elle. Tu ne tournes pas avec elle. Tu sais très bien que tu es une Tchikuntui, non? Si je mens, viens de mentir. Tu ne tournes avec les gars. Propre. Tu ne tournes avec les gars. Propre. Devant moi. Pas qu'on a dit. Devant moi. Au restaurant là-bas, là, à Paris. Le problème que vous étiez en train de juger dehors. Est-ce que je mens? Vous êtes là, toujours voulez toujours faire, vous êtes sournoise. Tu es une grosse tchikuntui. Tu le sais. Que tu es une tchikuntui, non? Avec tes mollets d'acier comme ça, là. Tes mabongo, tes pieds qui sont durs, là. Tu viens t'asseoir. Vous engagez les gens pour venir insulter ma bosse. Vous croyez que vos vies sont roses. Elle-même, ma bosse, moi, était mariée avec les hommes. Tu as entendu un jour qu'elle a lapé une gars. Elle est créée alors qu'on fabriquait. Vous frappez. On sent que vous frappez. Vous avez créé un groupe. Ils ont créé un nouveau groupe là maintenant. Ils ont créé un nouveau groupe avec la photo de ma bosse. C'est même où? Ils ont créé un nouveau groupe. On m'a envoyé ça aujourd'hui. Ils ont créé un groupe WhatsApp, Messenger. La bande des ténébreux là. Ils ont créé un groupe Messenger en disant que c'est ma bosse, en voulant saboter les produits de ma bosse. Mais sachez que les produits de ma bosse, ce n'est pas la chinoiserie. C'est une société française qui a toutes ses assurances. Que si elle dit qu'elle va frapper, elle frappe et ça fait mal. J'ai pitié seulement de tes gibiers que tu envoies devant. Tu connais l'élément. Ensemble, tu connais l'élément, tu as fonctionné avec elle, tu connais de quoi elle est capable. Est-ce que tu es bête? Tu es l'homme le plus intelligent de la toile. Tu n'es pas bête. C'est pour ça que tu prends les moutons, tu envoies devant. Parce que tu sais que on te positionne, on positionne, il n'y a pas match. Il n'y a pas match, tu le sais. Moi, j'ai commencé à être intelligente. J'ai commencé à voir que... Problème, s'ils vont arriver ici comme ça, là. J'ai vu d'abord quand Amer Kama a eu le problème au Cameroun. C'est moi qui ai appelé mon père. Et c'est moi qui te donne le numéro de mon père. Tu le connaissais où?
Tu ne le connaissais pas. Tu ne le connaissais pas. C'est moi qui te donne son numéro. Tu viens t'asseoir, tu fais genre. Tu as fait quelque chose pour Amel Kamel. Qu'est-ce que tu avais fait? Rien. Rien du tout. C'est moi qui appelle mon père. Je mets mon père en relation avec Guylaine. Ce sont eux qui se battent là-bas maintenant pour Amel. Tu as fait quoi? Tu étais assis ici, là, c'est moi dans le Congo, ça que calé, que calé, que no manie, que calé, que calé. C'est tout ce que tu sais dire. Allez dire que, allez dire que, allez faire que, allez faire que, envoyer les enfants, les gens devant. Mais j'espère que l'eau chaude là va brûler Ngombongo Indi. J'espère que l'eau chaude va brûler Ngombongo Indi. Parce que déjà, elle-même, là, pour payer son loyer, c'est les problèmes. Pour que Ngombongo Indi paye son loyer, il faut aller prêter l'argent dans les réunions. J'ai entendu dire que, oh, Marmac est parti. Marmac, c'est mon enfant aujourd'hui, demain et après-demain. Pourquoi vous voulez souvent pousser les gens à pécher? J'ai entendu celui-là qui a les quatre lettres aussi. Celui-là, quand tu regardes son visage ressemble à la maladie. Celui qui a les dents avec plein de caries. Parce que nettoyer les dents en France, c'est cher. Hein? Ça, je ne vous mens pas. Hein? Les dents, ce n'est pas couvert dans l'aide médicale ou bien dans la sécurité sociale. Hein? Les dents sont très chères en Europe. Hein? Les soins des dents, c'est très cher. Ce monsieur-là, du Cambindo là, du Cambindo vient parler de Marmac. C'est moi qui demande à Marmac. C'est moi qui donne à Marmac son numéro. Il n'a jamais vu Marmac avec les yeux. Il a entendu la voix jusqu'à il me dit qu'il l'aime déjà. Comme lui, il aime tout le monde. Il ne peut pas être, il ne peut pas avoir. Parce que quand tu arrives à côté de lui, sa bouche, ça pue. Aucune fille ne peut rester avec lui. La bouche du Cambindo pue. Ce qui fait qu'il ne peut pas rester, il ne peut que prendre les maboyas là. Il part, il couille un peu, allez, il paye, il quitte. Quelle est la femme qui va l'assumer, qui va rester dans la maison aussi? Il vit aussi avec une femme dans la maison, même une femme prématurée même. Qui peut l'assumer? Qui peut l'accepter? Quand vous regardez le nabo du Cambindo là, ce nabo là. Tu veux savoir où Marmar est? Tu veux savoir où elle est? Marmar est avec moi. Marmac est avec moi. Voilà ce qu'on appelle les TKC. Marmac s'est repenti. Marmac n'est pas parti parce qu'elle et moi, on avait un problème. Je suis désolée. Marmac s'est repenti. Il y a des gens qui se sont repentis. Il y a des gens qui ont peur, qui ont la crainte de Dieu. Il y a des gens qui savent que leur vie a été secouée. Marmac habite avec moi. Quand je suis au Cameroun, je suis avec elle. Allô? J'ai mis le haut-parleur. Oui. Tu veux intervenir? Allô? Frampon, dose un peu, je souffle un peu. Allô. Je ne framponne même pas. Je veux juste. Pourquoi tu ne vas pas dire à du Cambindo que Marmac habite chez toi, Oja? C'est parce que je n'ai pas envie. C'est comme si je venais parler d'elle, en fait. Non. C'est pour ça que je n'ai pas envie de dire ça. Il faut qu'il le sache. Il dit tout le temps que maman est partie, que Ndolo est partie. Ndolo, c'est qui? Je voyais une fille que je connais bien là, c'est une fille veuleuse. Pengouane veuleuse là, c'est une fille veuleuse. Elle est en train de dire là que tu vas faire la même chose à Fleur. Qui est d'abord venu nous dire comment est-ce que la femme de Defao a abandonné son enfant à Paris quand ils ont attaqué Fleur? Pourquoi j'ai mentionné le nom de Fleur dans le direct? C'est comme ça qu'elle ramène toujours les problèmes ces gens-là. Il faut que j'appelle là, que les gens qui viennent mentionner son nom, ils sont bloqués la personne. Pourquoi il vient mentionner le nom de Fleur? Il dit que c'est la même chose si tu vas faire à Ce n'est Fleur. Pas le direct de Fleur ici. De toi. Pourquoi il vient mentionner? Je connais bien cette fille, c'est une fille veuleuse, je la connais très bien. Il faut dire à Ducambindo que Marmac habite chez toi, que vous êtes toujours ensemble. Je ne voulais pas dire ça parce que pour moi, c'est comme si, comme elle habite chez moi, je suis obligée de venir chanter dans le monde qu'elle habite chez moi. C'est pour ça que moi, je ne suis pas comme ça.
Je ne voulais pas seulement dire ça. Du Cambido connaît quoi? C'est pour montrer aux gens encore que les gens inventent dans les vies des gens. Lui, il veut nous montrer qu'il aime beaucoup sa femme. Tout, c'est sa femme. Puisque c'est sa femme qui rapporte de l'argent à la maison. Mais bien sûr, c'est une vendeuse de diamants. C'est Tefao qui rapporte l'argent à la maison. C'est normal qu'il respecte sa femme. C'est une chiculture internationale. Mais il insultait la femme de l'autre. De l'autre président dernièrement, alors que le président n'a jamais insulté sa femme. C'est Ndongombongi, il dit, j'ai vu sa femme qui disait l'autre jour que elle n'a pas de problème avec lui, que ton fils est chez elle. Comment est-ce qu'on Ngombongi son fils, va garder qu'elle nous montre son fils alors. Non, c'est pas ça. Le coco dit que son fils est chez Ngombongi, il dit. Mais comment son fils est chez Ngombongi, elle-même son fils est en prison. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'elle-même son fils est en prison, mais elle garde le fils de sa femme? Et bye-bye. Ils font les tours, non? Quand elle envoie comment c'est que c'est sûr que chez elle, là-bas, on va vendre le piment par là-bas. Elles font les tours. Ma girafe d'Afrique, je t'aime, bisous. Et puis, je voulais. Ils aussi, elles sont en train de dire là que c'est comme tu n'as jamais ma pépé, mais j'avais vu Defao chez toi, non? Mais il était ici chez moi. Il était chez moi, il était le premier à venir chez moi. C'est lui qui était le premier à venir chez moi. Pourquoi tout le temps il dit. À mon anniversaire, il était venu ici là. Quand j'habitais encore de l'autre côté, il était venu chez moi à mon anniversaire. Et alors, c'était vite. Qu'est-ce qu'il raconte? Il était venu chez moi à mon anniversaire. C'est ce que les gens écrivent là. Ils ont vu que tu as mangé chez toi. Ils disent que tu as mangé avec les Doudou et Ngamba, tout le monde là, ils étaient là. C'était vite, mais ça, c'était la fin. Ok. Ouais, ok. Lisez ta con, ma fille. T'as dit, je suis fier de toi. Attends, j'ai une parenthèse là. Je viens de voir Lisette là depuis que je te le dis, elle n'était pas là. Lisette, ma fille, je te dis encore merci. Merci. Tu me montres que tu as une TK, c'est que quand tu fais le direct, quelqu'un monte tenter seulement de parler mal de moi, tu me bloques le cou, tu casses le cou. T'as dit, avec ou sans raison, tu ne supplies personne. Tu ne supplies personne, c'est-à-dire quand tu es en direct, là, quand on veut dire que maman Pépé a fait que tu poques, peu importe qui c'est. C'est ce qui me plaît avec toi, ma fille. Ah oui, hein? C'est ce qui me plaît avec toi. Charlotte Louise, voilà les vrais TKC. Il y a Lisette à Founou parce qu'elle ne peut pas accepter qu'on vienne te manquer le respect. Mais de. Est-ce qu'on conditionne les enfants? On ne conditionne pas mes enfants. C'est ton nom. Hein? C'est parce qu'on a peur de moi, c'est tout. Et quand on mentionne ton nom comme ça, les gens sont là, l'autre dit qu'arrêtez d'insulter cette personne. Je suis le diamant bleu, nom de Dieu. Je suis le diamant bleu. Tu veux pas qu'on parle de diamant bleu, tu veux qu'on parle de qui? Celui qu'on appelle du Cambindo. Il vient parler. C'est comme ça qu'il y a une petite là aussi. J'aime la vidéo là ici là. Il a insulté la petite là ici alors que la petite là le farotait souvent. Dis comment est-ce que la petite a cherché l'enfant. Je ne sais pas si Marmac lui avait dit qu'elle cherchait l'enfant. Il ne sait même pas si Marmac a l'enfant ou si elle n'a pas l'enfant. Il ne connaît rien de cette fille. Mais il est venu se permettre de parler d'elle. Il a d'abord se fait raser, il est trop sale avec sa barbe là. Ça veut dire que les boutons, tu les joues d'une minette. Il dit que je suis tout le temps malade. Où est ta part qui est malade du Cambindo? On va demander de nous sortir les bulletins de paye. Hein? Je vais te demander d'amener tes bulletins de paye aussi. Quand vous aimez toujours que les gens viennent vous présenter leur vie comme ça là. Même handicapé en France a un boulot adapté à sa situation. Tu mendies pour aller donner aux orphelins. Il a entendu que moi j'ai mendié ici pour aller à construire une maison. Voilà. Il demande les sacs de ciment. Qui est mendiant? Qui est mendiant? Toutes les personnes, les mendiants de la toile vont tomber one à one. On va voir ici là. Mais qui sont les mendiants ou pas? Si moi je mendie pour aller donner à ceux qui n'en ont pas. J'ai mendié ici un jour pour qu'on m'achète la chaussure. Ou bien pour qu'on m'achète le sac de ciment. Ou bien qu'on m'achète un gravier de sable. Ou bien qu'on m'achète un ciment, un carton, un camion de sable. Ta fille raconte partout que tu causes avec elle. Elle est racontée en bas parce que tu causes avec la reine mère Dieu par derrière. Si tu as besoin de causer, est-ce que tu as besoin de qui a dit ça? Si tu veux causer avec la reine mère. Qui a dit que je cause? Solo, non? Avec ton mamie Congo ça. Pardon, ne parle pas d'elle ici là, pardon. Est-ce qu'elle n'est pas continuée à parler de moi là-bas comme elle veut?
C'est sûr qu'elle était là, elle était en conférence. J'étais en conférence avec elle. Quand je parlais avec la reine mère bio, elle était en conférence. On était toutes les trois. Ça veut dire qu'on était en conférence. Quand je parlais avec la reine mère bio. Le Congo ça partout. Les gens voient seulement ce que tu fais à Defao. Ils ne voient pas ce que Defao a fait. On peut détester quelqu'un comme ça? Hein? On était en conférence. Quand je parlais avec la reine mère bio. Nous étions en conférence toutes les trois. Il a mangé aussi chez moi, imbécile. Il a mangé chez moi, j'ai insulté les gens. J'ai insulté les gens pour lui. Lui, il a fait quoi pour moi? Hein? Voilà. Il a fait quoi pour moi? Homme, il m'a envoyé insulter les gens de gauche à droite. Il s'est sacrifié pour moi. Quand j'ai eu le problème ici, là, il est venu parler. Il a parlé de quoi ici? Il a parlé de mes problèmes. Il ne parlait pas avec mes ennemis ici. Il n'est pas parti passer dans la chaîne de télé Les Ténébreux. Il avait pensé à moi quand il partait passer chez les Ténébreux. Il oubliait que je bagarrais pour lui. Qu'est-ce que vous racontez les petits gens? Tu as été opéré, tu as été à l'hôpital. Il m'a envoyé un bouquet de fleurs. Mais il l'a envoyé aux autres. Alors, qu'est-ce que vous racontez même là? Moi, je... Attends, je te reprends. Je vais appeler comme bloque toutes les personnes qui disaient ça. Il faut bloquer les têtes de mort, il y en a beaucoup. Oui, je vais appeler là. Prenez les gens pour les qui? Donc, à moi... On est venu manger chez moi. Tu vas faire ça à tel, tu vas faire ça à tel. Je ne peux pas faire ça à vos fous, mamie. Vous êtes bé. Regardez-moi ça. Connerie comme ça. Allô? Hé? Oui, chérie, je suis en direct là, s'il te plaît. Tu peux me bloquer certains faux commentaires là. Surtout les gens qui viennent parler, les, ceux qui ne correspondent pas du tout à ce qui va à mon encontre. Tu connais? Et casse les coups. T'as dit banni, hein? Merci, chérie. Bande de Ndjundjou. Je suis là, je supplie la visibilité. Regardez-moi la malchance. On ne caresse pas ici, hein. Je ne suis pas là pour caresser. Regardez-moi les Ndjundjou comme ça. ZB. Malchance. C'est pas quoi ça, même. Vous parlez que je suis parti manger. Quand lui venait, il n'est pas venu manger chez moi. Toutes ces personnes qui parlaient là, comme les Mbongo Indi, j'ai pris mon argent. Mon argent de la réunion, je lui ai donné. Elle a pris la maison qu'elle avait pris là jusqu'à... Elle n'a pas pu payer. On l'a mis à la porte. Elle est partie du 17e pour Saint-Denis, la maison de Saint-Denis, au Stade de France qu'elle avait pris là-bas. Là. Les nouvelles maisons, qui lui avait donné l'argent? C'est moi. Vous parlez de quoi là? Vous parlez de quoi? De quoi est-ce que vous parlez? Tout ce qu'elle m'a donné, m'avait donné 500 euros pour aller chez pas, pour donner encore à sa personne. Elle m'a donné 500 euros, je n'ai jamais nié. Elle m'a donné 500 euros pour aller chez Pa. Et elle avait même prêté l'argent là. Elle m'a donné 500 euros pour aller chez Pa. Je n'ai jamais nié. Je ne connais pas cracher sur ce qu'on m'a donné. J'étais malade ici, le temps entre la vie et la mort. Il n'est pas parti passer là-bas chez mes détracteurs. Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas fait des commentaires? Hein? Quand Pandjansan est parti passer dans les chaînes de télé de Kongosa, comme il aime le Kongosa, dans les chaînes de télé de Kongosa, quand il est parti passer là-bas, vous n'avez pas vu
Il m'avait envoyé un bouquet de fleurs. Mais il n'est pas allé chez les gens qui me souhaitent la mort depuis. Envoyer des bouquets de fleurs parce qu'il cherchait les alliés. Vous, ça va dans vos têtes? Il est venu chez moi et c'est mon anniversaire. Il était le premier à venir chez moi. Je n'étais pas encore parti chez lui. Lui, il était venu chez moi. Vous voulez parler de ça? Qu'est-ce que vous racontez là? L'autre vient s'asseoir. Il insulte. J'ai coupé la partie là. Cette personne qui parle du Cambindo parle là. On m'a envoyé cette partie là. J'étais déçu. J'ai dit que et voici, il parle d'une personne qui l'a aidé. Écoutez. Écoutez ce qui sort de la bouche de cette saleté là. La vie horreur du vide, c'est que tu as fait, tu subis ça. Et c'est comme ça, quand on est clasheur, on va subir la même chose. Toi, tu as vendu ta mère, tu viens encore mettre les litis pour construire la maison. Les gens veulent se retirer. L'argent que tu as vendu ta mère avec là. Quand ta mère décède, elle habitait où, dans quoi? Tu oublies que j'étais dans ton village? Tu oublies que j'étais dans ton village? Hein? Tu étais déjà en France depuis, non? Tu avais fait tout, mais non? Ta mère d'ailleurs était dans quoi? Tu peux nous montrer les photos de l'enterrement de ta mère? Pauvre Nia. Tu vas subir même les followers. Toi-même, tu vas subir. Voilà un qui se chamaille tout le temps avec les femmes. Toi-même, tu vas subir. Maman insultait les gens. Écoute. Elle a cherché l'enfant fatigué, elle faisait des fausses couches. Maman t'avait dit qu'elle a cherché l'enfant un jour. Maman avait dit à qui qu'elle a cherché l'enfant jusqu'à ce qu'elle a fait les fausses couches. Elle se confiait déjà à toi. Maman se confiait à toi. Maman s'est un jour confiée à toi du Cambindo. Juste à dire qu'elle elle faisait tout le temps les fausses couches. Elle s'est confiée à toi. Ce n'est pas moi qui ai donné ton numéro dernièrement ici à Marmac. Quand maman disait qu'elle veut faire la paix, elle veut demander pardon à toutes les personnes qu'elle a offensées. Et c'est Marie la régie qui a même fait cette démarche-là. Est-ce que j'ai besoin de venir m'asseoir pour dire que oui, Marmac et moi, on s'appelle tous les jours, on fait comme ça, on fait ceci. Est-ce que j'ai besoin de ça? Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. C'était avant que je prouvais, je venais prouver. C'était avant que j'étais, que dès qu'on dit que oh, tel est parti, ou tel est ceci, je cours vite, je viens montrer. C'était avant. Maintenant, je vous laisse à votre film. Vous pensez ce que vous voulez penser. On n'est plus là. Hein? Il vient dire qu'elle faisait les fausses couches. Elle t'avait dit ça. Mal qu'elle faisait sur Internet. Elle est venue demander les excuses. Elle est venue demander les excuses à tout le monde. C'est normal. Comme moi, j'ai demandé les excuses à Patricia Mel. Parce que j'ai insulté cette fille à cause de pas des FAO. Elle et moi, on avait quel problème? J'avais quel problème avec cette fille? Est-ce que cette fille m'avait un jour insulté? Est-ce qu'un jour cette fille m'avait manqué de respect? Je ne veux pas l'amitié avec elle. Demander les excuses, je ne veux pas dire que devenons amis. Je n'ai pas de chance en amitié, donc je ne veux même pas les amis. Parce que moi, je n'ai pas de chance en amitié. Je suis bien comme je suis là, une place. Je suis malade ici, là. C'est mon homme qui est là à côté de moi. Je suis en santé, c'est lui qui est à côté de moi. On bagarre, on s'arrange. On bagarre, on s'arrange. Je n'ai même pas besoin d'amitié. Parce que j'ai la poisse en amitié. Toi, alors même. Ou même pour toi. Que tu as même aussi, même à la maison aussi, même que tu prends aussi une jomba, même tu mets dans la maison, que tu puisses aussi t'occuper d'elle. Comme on s'occupe de moi, là. Parce que nous, ici, là, ce n'est pas toujours rose. On se blesse souvent ici, bien. Après, on se reprend. C'est comme ça. Toi, du Cambindo, tu as qui? Tu as qui? Je t'ai entendu dire que tu t'occupes des femmes. Tu connais de combien de personnes je m'en occupe au pays? Tu connais combien de personnes vivent aux dépens de moi? Parce que vous voulez toujours que les gens viennent vous montrer. Vous voulez toujours qu'on vienne vous montrer nos vies? C'était avant, quand on était jeune, qu'on faisait ça. C'est quand on était jeune. Voici une autre ici qui l'a insulté aussi. Voici une autre. Et comme la vie a horreur du vide, c'est que tu as fait, tu subis ça. Et c'est comme ça, quand on est clasheur, on va subir la même chose. Comme toi, tu es un clasheur. Les gens vont se retirer des clashs
Parce qu'ils ne veulent pas porter la malchance. Comme toi, justement. C'est pour ça que j'ai demandé les excuses à Patricia Mel. Parce que j'étais venu insulter en croyant que j'ai vengé mon grand frère. Ils font du mal, ils pensent qu'ils ne vont pas. Ils, oui. Les gens payent. Maman a insulté les gens. Elle a cherché. Je crois que maman a cherché l'enfant avec toi. Voici encore l'autre, la deuxième personne. La vie a horreur du vide. Ce que tu as fait, tu subis ça. Comme toi, tu subis. Et c'est comme ça. Quand on est clasheur, on va subir la même chose. Tu viens aujourd'hui demander les litis. Quand tu achètes les sacs de ciment, après vous allez chercher les gens de mendiants. Parce qu'ils ne veulent pas porter la malchance. Après vous allez chercher les gens de mendiants. Même les followers. Ceux-mêmes qui sont en faux profit, qui font du mal, ils pensent qu'ils ne vont pas. Les gens payent. Comme toi, tu payes. Maman insulte les gens. Comme toi. Elle a cherché l'enfant fatigué, elle faisait des fausses. Elle a cherché l'enfant avec toi, papa. Elle a cherché l'enfant avec toi. Elle a demandé des excuses. Elle a cherché l'enfant avec toi. Elle a demandé des excuses à tout le monde. Montrer son visage, demander pardon. Si on demande le visage, imagine la fille qui avait abandonné sa mère pour insulter les gens sur Facebook. Vous entendez, Magina Puriti. Une fille qui l'a aidée. Cette fille qu'on appelle Magina Puriti, c'est une fille qui l'a épaulée. Qui lui a donné même de l'argent. Qui le soutenait. Aujourd'hui, qu'elle a abandonné, elle était fille unique. Elle était fille unique. Elle a vu que les réseaux sociaux, il y a une qualité et une qualité sur les réseaux sociaux. Elle a abandonné. Comme Marmac. Marmac a dit que elle s'est repentie. Il y a les gens que Dieu leur parle. Aujourd'hui, tu vois Marma, quand on est là, on fait les commentaires. Vous avez entendu la dernière fois qu'on parlait là, elle voulait juste vous faire plaisir. Quand on est là comme ça là, on boit, on fume, elle vous dit que ce n'est pas bon. Ce n'est pas parce que elle n'a pas tué quelqu'un. Elle est venue naturellement. Elle a aimé sa personne, comme toute personne aime sa personne sur la toile. Voilà Lisette Akounou. Elle était enceinte. Elle a accouché une petite compresseur. Mais, il y a des moments quand ça l'énerve. Quand tu aimes ta personne, tu entends comment est-ce qu'on vilipende ta personne. Tu sors. Vous croyez que toutes ces personnes qui sont sorties là, c'est parce qu'on leur demande d'aller faire. C'est parce qu'ils ont envie. C'est parce qu'ils ont de l'amour. Les personnes qui appellent ici pour intervenir, c'est des personnes. Est-ce qu'on leur demande d'appeler? Vous entendez souvent des personnes qui viennent appeler dans le live. Pour insulter les gens qui m'insultent. Pour insulter les gens qui voient que ces personnes ne sont pas vraies avec moi. Est-ce que c'est moi qui les appelle que venez appeler pour insulter? Tu viens insulter que tu m'encourages. Je partage et je t'encourage. Je te dis, feu! Parce que moi, je ne connais pas peut-être me chamailler comme cette personne qui va appeler. Comme là maintenant, la personne qui va appeler pour insulter. Du Kambindoula ou bien Gombongo Indila, vous appelez, vous lavez. Je n'ai pas mis la corde à quelqu'un au cou. Te voici qui vient parler de Puriti, une fille qui t'a épaulé. Tu viens dire aujourd'hui qu'elle a abandonné sa mère. Toi, tu n'as pas abandonné ta mère pendant que ta mère était malade au Cameroun. Elle souffrait là-bas. Moi, je suis allée, j'ai vu ta mère. Punaise. Tu vivais ici en France, tu montais, tu descendais. Tu ne payais même pas les médicaments à ta mère. Elle est morte de négligence. Elle est morte de négligence, mon type. Toi, tu viens de dire qu'une fille a abandonné sa mère à cause des réseaux sociaux. Et toi, du Kambindo, tu viens aujourd'hui. Donc, ça confirme que Pandian s'en vous a envoyé. Ça confirme. Puisque aujourd'hui, si on te demande... Pourquoi est-ce que tu insultes Maléba? Tu m'as dit que tu m'insultes par rapport à quoi? Parce que tu as dit que tu es l'avocat du criminel des FAO. Oui. Mais il faut que les gens voient tes yeux. Parce que voilà, tu as entendu parler de quelqu'un. À cause d'être sur Internet. Voilà quelqu'un. Voilà quelqu'un. Il y a plein de gens comme ça en faux profil. Qui ont payé à cause d'être sur Internet et de faire du mal. Donc, même le faux profil là, toi qui viens insulter les gens là, you go pay. Comme toi aussi, tu vas payer. Vous estimez vainqueur dans les clashs parce que vous allez plus loin. Les gens refusent d'aller faire.
comme toi, tu vas payer. Imagine la purité, elle a abandonné sa mère pour insulter les gens sur Facebook. Vous entendez? Elle n'a même pas eu le temps de s'occuper de sa maman. Elle a dit qu'elle n'est plus là. Je connais plein de gens. Donc, il dit qu'elle n'a pas eu le temps de s'occuper de sa maman à cause des réseaux sociaux, du Cambindo. Toi, tu as eu le temps de t'occuper de ta maman quand je suis allée avec ta voisine. Ta voisine, je ne veux pas citer son nom parce que je ne veux pas. Il y a des personnes souvent que je n'aime pas que leur nom figure trop sur les réseaux sociaux. Quand je suis partie avec quelqu'un, elle m'a amené vite fini faire les dons dans ton village. J'ai vu ta mère. Ta mère avait faim. Ça se voyait qu'elle avait très faim. Elle avait faim. Elle avait bien faim. Alors que toi, tu étais déjà un blogueur. Tu t'es occupé d'elle? Quand tu dis qu'elle, elle a abandonné sa mère à cause des réseaux sociaux, tu t'es occupé de ta pauvre maman? Tu lui payais les médicaments? Elle payait les médicaments en route. Puisqu'elle s'est plaint le jour-là. Tu as eu peur. Tu as commencé à dire que je suis allé filmer ta mère alors que je n'ai pas eu cette intention-là. Je n'ai même pas fait ça. J'avais pitié d'elle quand je l'entendais se plaindre. Elle demandait l'argent pour payer les médicaments. Elle disait que ça ne va pas. Toi, l'animal là, tu viens te mettre, tu parles aux gens du Cambindo. Tu es quoi? Un monsieur qui est en France depuis que l'enfant est dans la sous-location. Tu travailles alors? Tu as les bulletins de paye. Papa, prends une maison à ton nom. Prends une maison à ton nom. En plus, tu as les enfants sur le territoire français. Prends une maison à ton nom. Demande à Pas de FAO de te donner l'argent pour prendre une maison. Parce que tu es son avocat, tu travailles pour lui. C'est pour ça qu'il prend tous les avocats incompétents. C'est comme ça qu'il a parlé même de son avocate là, la Camerounaise, l'avocate qui est la citoyenne africaine. Où il a commencé à vouloir escroquer les gens. Oh, si vous avez un problème, j'ai mes avocats qui sont dans leur histoire de PTT là. C'est tout cela, c'est les avocats africains là. Mais quand on va vous frapper, on ne va pas prendre les Africains parce qu'ils sont incompétents. Ceux-là qui sont dans ton groupe là. Regarde d'abord tes gens que tu prends pour venir clasher. Les abrutis tous. Benjunju, tout le monde là. Celui-ci, la bouche, il ne peut pas aller se laver les dents, faire un détratage, nettoyer les dents, carine. La carie qu'il a là. Pour faire les soins des dents en France, c'est trop cher. Pour changer une dent, c'est cher. Pour respecter une femme qui a changé les dents dans sa bouche, ce n'est pas donné. Il y a dentier et prothèse. Attention! Allez vous renseigner combien ça coûte une dent en France. Va nettoyer tes dents, mon frère. C'est trop sale. T'as dit quand tu as la carie, surtout devant, il suffit que tu pèpres l'odeur qui sort de là. Tu as vu t'asseoir, ta bouche puante, là, tu parles de Maliba. Ou du Chris. Ou du Chris du Cambindo. Toi. Parti de mardi, toi et moi on va faire nos tests. Toi du Cambindo et moi on va faire les tests. Moi je te le dis. La personne, je fais l'appel ici. La personne qui connaît là où du Cambindo habite, contactez-moi. La personne qui connaît où il habite, contactez-moi. Je vais le lui prendre par la main. On va aller faire les tests là par force. On va aller faire les tests par force. On va voir qui est malade plus que qui. Mieux encore celle qui est malade de temps en temps. Dès que le froid commence, elle est malade. Que de celui que ça ronge à l'intérieur. Je vais t'attraper la main. Toi le nabo là, on va aller faire les tests. Je suis fatigué de toi sur la toile. Tu as compris non? Je suis fatigué de toi. Toi Ngombongo Indi. Je vais t'amener, on va nettoyer toutes tes dents là, ta dentition là qui se casse. On va te laver, je vais t'arrêter, je vais venir avec le savon et la brosse. Je vais te brosser le corps, tu vas te laver par force. Il y a moi les crades de personnes comme ça qui viennent s'asseoir sur les réseaux sociaux pour parler aux gens. Parce qu'elles vendent le piment. Et comme le blanc aussi, il y a certains blancs qui aiment l'odeur du camembert. Mon Dieu.